deux idées de base. Se fonder sur nos valeurs et inventer le futur. Je vais vous dire la vérité, cette phrase, je l'ai conçue il y a une vingtaine d'années, le jour où quelqu'un dans les bureaux à Paris m'a dit « Bruno, tu sais ce qu'ils disent, toi ?» Je dis oh, « Tu sais, c'est un vieux de la vieille, je pense des choses mal et puis des choses bien. » Il dit « Oui, ça oui, mais ce qu'ils disent dans les couloirs aujourd'hui, vous savez ce qu'il a fait, Bruno ?» Il a changé les couleurs du briquet que son père avait choisi. Oh, alors là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Parce que si les gens voient ça comme ça, on va avoir du mal à avancer. Donc j'ai réfléchi, et j'ai trouvé cette phrase, « Honor the past, invent the future ». Et par là, je veux dire qu'il y a des racines dans une société qu'il ne faut jamais renier. Il y a des valeurs profondes humaines qui sont valables dans le monde entier. Et ça, il ne faut pas les renier. Par contre, pour tout le reste, il faut travailler pour inventer le futur. La deuxième base, c'est que les hommes et les femmes sont la clé de voûte de notre philosophie. J'en parlerai longuement aujourd'hui, mais il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit, à l'heure de artificial intelligence, de big data, que ce sont les hommes et les femmes qui, à la fin, font la différence. Un de mes héros dans le business est Sam Walton, le fondateur de Walmart que j'ai connu. Et si vous connaissez les 10 règles de Sam Walton, 5 sont à propos de personnes. Son successeur aujourd'hui, Doug McMillan, a écrit l'année dernière quand il a repris « We will be people-led, technically empowered. We will compete with our technology, but we will win with people. » Et c'est, je crois, là, absolument la chose la plus importante pour moi à une époque où les opportunités de nouvelles technologies sont absolument énormes, mais aussi bien à vous qu'à vos concurrents. Je finirai par dire, pour revenir un petit peu sur le passé, ça c'est Marc Aurèle qui, en ce qui concerne « Honor the past, invent the future », parce qu'il avait déjà cette situation-là, a dit « Il faut avoir la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Il faut avoir le courage de changer ce que je peux changer et avoir la sagesse de savoir la différence. » Et c'est là où est la difficulté dans le management.